Alors nous sommes le mardi 19 novembre 2019, nous sommes de retour à Toulon. J'ai quelqu'un à côté de moi, je lui ai demandé de se présenter, bonjour. Bonjour, je suis Hélène Audibert, adjointe au maire de Toulon et conseillère départementale. Et je m'occupe de rénovation urbaine du centre-ville de Toulon et de culture au département. Alors culture au département, ça tombe bien puisque on a reçu d'abord, je tiens à le dire et remercier le service communication de la manifestation qui a vraiment fait ça très bien puisqu'on a reçu une invitation et c'est la raison de notre présence. Alors bien sûr, un petit retard sur la conférence de presse. Depuis 10 jours, on n'a pas arrêté. Qu'est-ce qui s'est dit déjà au niveau de la conférence de presse? Ben là, le Métaxu, hein, puisque c'est cette association qui présente son festival et a voulu vraiment faire une conférence de presse cette année pour annoncer que ce festival Vreux, qui s'appelle maintenant Vraiment, va se dérouler dans le centre ancien de Toulon et de façon éclatée. Donc c'est pour ça qu'ils ont voulu bien présenter ce matin pour que dès vendredi, le public ne se perde pas et vienne voir toutes les prestations qui seront proposées. Donc d'abord le dessin avec des dessinateurs, des artistes venus de la France entière qui vont proposer à la fois des performances et des petits dessins qui pourront ensuite être achetés par le public. Et puis tout le week-end, des performances musicales, des groupes qui joueront. C'est à vous de découvrir tout autour de la place du Globe tout ce qui va se passer. Alors la raison de votre présence ici? Ma présence, c'est que en fait ce lieu est un lieu qui a été créé il y a 5-6 ans par deux associations, ça s'appelle le Métaxu. Ça a été le premier lieu culturel créé près de la place du Globe, à côté de la maison de la photo, donc je tiens beaucoup à ce lieu. Et puis pour nous, pour la ville de Toulon, pour le département, qu'il y ait des événements de cette qualité menés par de petites structures au cœur de la ville, pour nous c'est vraiment très très important. Toutes les années, le troisième week-end de novembre, a lieu sur Toulon ce festival. Les autres années, il se tenait au musée d'art, avant qu'il soit rénové. Bien sûr, au niveau de Fêtes et Foires dans le 83, on a diffusé l'affiche de Picasso, qu'on voit d'ailleurs partout. Combien d'éditions sur ce festival? Les premiers festivals se tenaient donc au musée d'art. La ville de Toulon avait dit à Benoît et à son équipe, maintenant le musée d'art va être transformé. Donc l'année dernière, le festival s'est tenu dans les locaux de l'école d'art de la métropole. Et cette année, Benoît et son équipe ont voulu revenir au cœur de la ville et ont imaginé, avec le partenariat de l'école d'art, de l'Axolote, de la maison de la photo, d'utiliser tous les locaux et du port des créateurs, d'utiliser tous les locaux disponibles autour de la place du Globe, de façon à installer le festival cette année. Et j'espère que ça va très très bien fonctionner et que les autres éditions se dérouleront de la même façon, parce que pour moi, ça va faire une belle résonance pendant le week-end. Puisque j'espère qu'il y aura encore beaucoup de monde qui viendra voir Picasso au musée d'art de Toulon, au MAT, et ensuite ils pourront venir dans la ville voir ce qui s'y passe et profiter de la rénovation, parce que la ville c'est aussi des commerces, la rue des Arts, la place Puget, les futures halles. Tous ces événements permettent d'attirer un nouveau public à qui on veut donner envie de revenir au quotidien.